Société Royale des Chasseurs, écrivit une chanson, Chasseurs en avant. De cette chanson, deux de nos musiciens, Geoffrey Huger et mon ami et adjoint Joël de Barmaqueur, ont fait un arrangement orchestral à l'occasion de notre 170e anniversaire que nous avons fêté brillamment cette année. Alors, quoi de mieux que choisir ce titre superbe pour l'occasion? Nous vous offrons la marche, adaptée pour fanfare par Geoffrey Huger et Joël de Barmaqueur, et intitulée « Chasseurs en avant ». Je vous invite à rentrer à l'hôtel de ville où une réception est prévue pour vous. J'invite évidemment toutes les musiciennes et les musiciens, ainsi évidemment que toutes les personnes qui ont eu le plaisir d'entendre ces airs, qui ont le plaisir de fêter la Sainte-Cécile sur la Grand Place, baignant dans le soleil. D'abord, je dois vous remercier de nous recevoir enfin de l'administration communale et de nous offrir le verre de l'amitié le jour de nos festivités. Je voudrais remercier également toutes les fanfares qui ont participé. D'abord, l'année 1994, l'année de notre président, M. Claude de Liège, l'idée de réunir les trois fanfares et qu'elles se produisent à l'unisson. Parce que tout cette idée est gardée. Il en fit part aux deux autres présidents, c'est-à-dire à M. René Louvain et M. André Dumanière, pour l'Académie. Qu'est-ce qu'une bonne académie? Qu'est-ce qu'une bonne école primaire? Qu'est-ce qu'une bonne école secondaire? Qu'est-ce qu'une bonne université? Mais c'est d'abord une école où il y a de bons professeurs qui s'investissent à mettre leur connaissance au profit des élèves. Mais évidemment, dans une bonne école, il y a toujours un bon directeur. Qu'est-ce qu'un bon directeur? Il s'appuie bien sûr. Nous informer, nous dire que nous existons, parce que nous voudrions vous en parler. Ça, c'est une première chose. Je vous en remercie d'avance. Un message qui est bien passé. Mesdames et messieurs, en vous toutes les qualités, je vois des députés présents, je vois des échevins présents, je vois des conseillers de CPS présents, des conseillers communaux présents. Je vois surtout toute la famille grinchoise de la musique réunie en ces murs. Le 2 novembre, effectivement, nous étions tous ensemble au Cursal à l'occasion du 15e Trifon. Et je vous lançais une invitation. Et je dois dire que l'écho est quand même assez extraordinaire. Donc ce bâtiment étant placé, il ne sera pas facile de déplacer les murs pour vous recevoir encore. Parce que je crois que cette réception va pouvoir devenir une tradition. Et si on se disait que tous les 5 ans, à l'occasion justement de cette réunion de nos trois phalanges musicales, eh bien, l'hôtel de ville vous est ouvert, cet hôtel de ville, c'est le vôtre. Et je
vous avoue avoir été assez heureux et surpris en même temps d'entendre plusieurs d'entre vous dire « Je n'étais jamais venu ici ». Ceci, c'est votre hôtel de ville. Vous voyez qu'on en prend soin. Nous essayons de le décorer au mieux. Le temps, nous n'y sommes pour rien, mais quand même, quel beau clin d'œil des cieux aujourd'hui, ce ciel tout bleu. Le soleil qui est là et qui pénètre même les murs, hein. Bien mis, on va sortir bronzé. Allez, tu vas vous remercier du fond du cœur pour votre présence aujourd'hui. Chavazavour dans la Mama a dit, ils sont venus, ils sont tous là. Eh bien aujourd'hui, vous êtes tous là. Permettez-moi d'exprimer toute mon émotion en ayant devant nous, aujourd'hui réunis, des dizaines d'années, un demi-siècle, d'amour de la musique partagée ici à Bâche. 170 ans pour la Société Royale des Chasseurs de Bâche, qui fut fondée, tu viens de nous le dire, le 6 mars 1831. Doyenne des phalanges musicales de l'entité, elle est considérée comme l'une des plus anciennes fanfares du pays, et c'est Léopold II qui lui accorda le titre de Société Royale en 1880. Une vie faite de succès, de victoires rencontrées dans les grands concours nationaux et internationaux, sous la direction d'éminents directeurs et sous la présidence de mécène Bachelor, conscient de la valeur de notre histoire, un nouveau local est ouvert, place du Centre. Les activités reprennent et grâce à la compétence des jeunes chefs, à l'esprit d'équipe des musiciens, épaulés par un comité très actif, ils ont raison de la fatalité. Le dynamisme et la qualité musicale de l'ensemble en a pour preuve que la cotation de 96% obtenue dès l'année suivante en catégorie excellence des rencontres musicales de la province du Nord. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'applaudir Dominique Lecomte, qui fait partie de la jeune école des directeurs musicaux qui, par un choix très éclectique du répertoire, apporte le siège d'un président heureux et comblé. Commencez par les chasseurs. Ce matin, dit-on, hein, c'était presque comme au carnaval. Difficile de respecter les horaires. En tout cas, ils ont été ravis de vous entendre arriver et de vous accueillir. Ici, 32 années de vie intense. Le moment. Permettez-moi de rappeler ici la mémoire de feu Auguste Montreuil, qui en fut le brillant directeur et qui donna noblesse à notre conservatoire, Marcel Pilly. Félicitons André Demallet pour ses années de président, quant à lui. N'est plus à présenter. Vous savez comment il mène ses musiciens à la baguette et nous connaissons tous son généreux talent de directeur. Et oui, voici venir un plus jeune qui n'a que 88 années d'existence. L'ancienne fanfare socialiste En avant, à présent dénommée Philharmonie Bâchoise En avant, qui intègre des sonorités nouvelles, permettant l'élargissement du répertoire, un peu à l'image de ses costumes, pleins de couleurs, à vos différents concerts, qui a la bonne maîtrise de son ensemble et surtout, qui entretient le bel esprit de camaraderie qui s'y est si bien à la Philharmonie En avant. Et qui nous permet de vivre tous ces moments de musique en couleur et plein d'enthousiasme. À travers Sylvie et Étienne, je vous demande de saluer l'ensemble de la fanfare. La société de musique a toujours fait partie intégrante de la vie communale de notre ville. Et aujourd'hui, cette société musicale existe toujours. Tout d'abord, en fonction du musicien, qui continue à jouer pour son propre plaisir et surtout qui garde intact le sens des valeurs réelles. L'amateur
c'est l'ouvrier, le cadre, l'employé, l'indépendant aussi, qui est supposé jouer d'un instrument et qui, chaque semaine, rejoint d'autres ouvriers, d'autres cadres, d'autres employés, pour pendant quelques heures faire de la musique ensemble. De vie familiale à malheureusement mettre de côté. C'est la technique instrumentale différente du professionnel. C'est la pratique gratuite, à tous les sens du terme. L'amateur, c'est aussi le sens des valeurs. C'est aussi beaucoup de conscience. L'amateur encore, c'est parfois le joyeux musicien qui déchiffre les transcriptions les plus entendues avec la main de soif qui descend ses chopes. Tout cela pour nous conduire au verre de l'amitié. L'administration communale se fait une joie de vous offrir en vous recevant officiellement aujourd'hui. Je crois que c'est la première. Chers amis, que cette fête de Sainte-Cécile soit pour vous une journée de réussite, bien méritée, fête de joie, de retrouvailles dans ce merveilleux état d'esprit du monde de la musique. Qu'elle soit aussi la certitude de l'attachement de l'administration communale et de toute une ville à ses sociétés traditionnelles. Nous vous l'avons dit, nous allons le faire, nous allons prendre le verre d'amitié tous ensemble et nous vous souhaitons, mesdames et messieurs, toutes et tous passionnés de musique, une très joyeuse fête de Sainte-Cécile. Merci pour les airs que vous jouez. Merci pour cette bonne humeur que vous répandez. On va prendre le verre tous ensemble. Bonne fête de Sainte-Cécile et que les applaudissements soient pour tous les musiciens. Non, 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 non